Yop tout le monde, c'est Melarsat, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite, comme une chose sur soi le monde, on se retrouve pour les missions du jour du vendredi 3 décembre, déjà le 3, c'est plutôt sympa, donc aujourd'hui on est vendredi, donc c'est une journée plutôt classique, on va pas se mentir qu'il y aura pas grand chose à se faire, honnêtement, je pense que là, au niveau des missions, il y a pas grand chose. Ah, il y a quand même deux missions e-book là d'entrée de jeu là en Fontainebleau. Ok, ah, j'ai peut-être été mauvaise langue en vrai. Deux missions e-book direct là, comme ça, bim bam boum. Avec des tickets en rayon X, ça fait 50 du coup. Il y en a deux, donc 50 tickets là, bim ou e-book bien sûr. Ouais, ça peut faire plaisir un petit 50 comme ça. Si jamais il vous monte 50 pour acheter un item sur le BR, voilà. Si jamais vous avez les e-book, bien évidemment, vu qu'avec les tickets ça ne marche pas, mais bon. Vous pourrez toujours acheter des lamas Rayon X, pourquoi pas hein, aussi hein, avec les tickets si jamais vous avez la version ticket. Que j'ai fait hier par exemple. Où j'ai vraiment acheté plein de lamas. Enfin bon, c'était marrant. D'ailleurs, si vous jouez à Soul Monde et vous voulez des ressources, d'ailleurs, petit passage comme ça, petit aparté. Ou même des pièges, hein, le week-end par exemple, je vais mettre des giveaways pour des stacks de pièges. Je pense que je vais faire ça. Donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord pour rejoindre directement et participer tout simplement. Ouais, je fais pas sur YouTube directement ou sur mes lives parce que enfin, je vais pas faire des lives en mode donne des trucs. Oh non, je préfère faire des petits vieux, ouais, voir les mecs actifs qui me suivent et tout, qui sont là sur mon serveur, tu vois, qui participent à mon avancée quotidien, tu vois, dans le jeu et tout. Franchement, ça fait plaisir, tu vois. Voilà. Donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord si vous voulez participer au giveaway. Et puis sur YouTube bien évidemment, n'hésitez pas à mettre les commentaires pour dire que vous participez au prochain pass de combat du BR. C'est le premier cadeau du mois-ci, de ce mois-ci, donc voilà. N'hésitez pas à le dire en commentaire, hein, sinon... ou même sur Discord du coup, si vous avez rejoint, vous dites « Ouais, je participe au truc ». Ça peut être sympa aussi. Donc voilà, petit message de début de vidéo, tu vois, histoire de... que vous sachiez dès le début, parce que je sais qu'il y en a, ils regardent pas la vidéo en entier. Donc pour ceux qui regardent juste 2 minutes par exemple, bah, ça me va. Voilà. Voilà. En vrai, voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à continuer de vous abonner, hein, vu que là je monte comme ça, là on est à 918 abos. Ouais, ouais, l'objectif vous savez, hein, c'est quoi en ce mois de décembre, c'est d'avoir les 1000 abos. Ça va être très dur, honnêtement, ça va être très dur. Si déjà j'ai les 950, je serais limite content. Mais ouais, les 1000 abos, ça serait ouf. Ça serait ouf, tu vois. Mais voilà, ça serait ouf. Faudrait que je fasse des vidéos un peu plus... plus quali, quoi. Mais bref. D'ailleurs, cet après-midi, vers les 17h, je pense, je vais faire un petit live. Ou peut-être 16h même, ça dépend. Mon envie. Mais je vais peut-être faire un petit live, du coup, sur Soul le Monde. Histoire d'aider un peu... en aventure, sachant que je vais avoir les 140 là bientôt, donc voilà, petite zone 140, je vais vous aider tranquillement, on se fait des petites games. En plus c'est le week-end, donc il n'y a pas d'excuses en mode ah demain j'ai cours ou quoi, non tu vois, tu t'en fous, donc c'est cool. Bref, vous voyez que l'émission pour le moment, je vous montre morne et épique, il n'y a pas grand chose à dire. Bon là il y a un petit faucon, pourquoi pas, spécialiste du soutien. Il y a du petit déculage ici, mais ouais, les missions sont vraiment pas intéressantes, donc je vous les dis pas forcément. Il y a un coup légendaire aussi, ça peut être efficace aussi, en vrai de vrai. Donc tac tac tac. Défenseur léger ici, c'est en mêlée, donc voilà, petite mêlée à prendre, c'est plutôt cool. Mais bon, si vous le faites, recyclez-le, je vous le conseille parce que voilà. Défenseur fusil d'assaut également ici en 4 Atlas. Donc 4 Atlas, ouais, c'est une mission qui est pas ouf à faire, juste pour le coup, juste pour ça quoi. En plus c'est de l'XP de schéma en même temps, donc on va être pas si ouf que ça. Répal refuge ici, en x4 récupérateur, évidemment vous connaissez hein, Répal refuge, généralement il y a du récup. Donc ça fait plaisir, avec de l'XP de survivant. Et pour se finir, celle-là elle est très intéressante, x4 fou d'embouteille avec 276 DQ épique, c'est intéressant aussi. Après on arrive sur les 164 joueurs, bien évidemment ça n'existe pas les 5 joueurs, à chaque fois j'ai envie de dire 5 joueurs mais non ça n'existe pas tu vois. Enfin bref, du coup première, on se commence par une réparation refuge avec des déculèges, oui, ou avec un petit épique aussi, hein, avec 110 foudre en bouteille, pourquoi pas, 110 foudre en bouteille c'est vraiment intéressant. Après on arrive sur la deuxième, évacue le refuge en
4 joueurs bien évidemment, avec un petit range métal et haut, donc là vous construisez en briques ou en bois, mais bon, bois c'est risqué. Avec du 250 d'éculège ici, avec un x5 ici de héros. Et après on arrive sur la troisième, attention, troisième déjà avec une récupérer les données en x5 XP de schéma. Donc c'est pas ouf avec 300 d'XP épique, ça sauve un peu la mission parce qu'en vrai, x5 XP de schéma, on s'en fout un peu. Mais 300 d'XP épique, ça peut être intéressant. En vrai, ça peut être intéressant. Et on se finit par la dernière, donc chevaucher la foudre x5 XP de héros avec 242 000 XP de schéma. Donc honnêtement, en plus c'est du range métal ici, donc c'est en... Ouais, c'est assez compliqué cette mission. Mais ouais, les 160 d'aujourd'hui, elles sont pas ouf. Elles sont pas ouf. Elles sont pas aussi bien que hier, même si hier était également nul, tu vois. Mais ouais, c'est pas ouf. Après, celle-là, elle peut être intéressante quand même, la réparer. Mais en vrai, pas ouf du tout. Après, on va aller directement en aventure également pour voir un peu ce qu'il y a. Même si j'ai pas encore les 140, je précise. Mais on sait jamais. Il peut y avoir quand même des bonnes missions. Comme celle-là, hein, par exemple. Petite soirée à pro, mec. C'est pas mal. Avec des tickets et tout. Franchement, ça régale, tu vois. Pour une mission de 10 minutes. Même celle-là, hein, du coup, avec des tickets ou un petit survivant légendaire quand même en aventure. Ouais, ça sauve un peu le truc, tu vois. Petit Flambeur Vindortech légendaire également. Ça peut être intéressant. Et honnêtement, plafond à chute aussi également. Honnêtement, ouais, c'est pas ouf en vrai l'émission d'aujourd'hui. Hein. Je vous ai dit que ça va être tranquille. Il y a quand même deux missions avec un survivant légendaire. Un héros légendaire aussi, deux défenseurs, mais bon, c'est des trucs où tu farmes les ressources là, hein, du coup. Donc ça s'appelle ressources, hein, bien évidemment. Je parle pas des ressources ingrédients. Je vais bien mettre la notion sur les trucs, en fait. Là, quand vous allez sur les ressources, qu'on appelle ressources, nous, en fait, c'est des ingrédients, en fait. C'est pas des ressources. Mais voilà. Bref, c'est des ingrédients, quoi. Et là, vous voyez qu'aujourd'hui, du coup, en termes de lama, il y a les super lamas à personne. Et moi, j'ai un leader mythique. Mais malheureusement, je l'ai déjà en double. Donc, heureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement, mais je l'ai déjà. Donc, j'ai pas besoin de le prendre. Mais. Leader mythique. Ouais, c'est ça. Survivant mythique, quoi. Leader. Mais non. Donc, voilà. N'oubliez pas, hein, depuis hier, du coup, notre petit Labrimody. En épique, hein, malheureusement il est en épique, ça aurait été bien qu'il soit en légendaire, mais bon, à chaque fois qu'ils le sortent, ils le mettent en épique, je sais pas pourquoi. Ils peuvent un peu varier, tu vois, une fois ils le mettent en épique, une fois ils le mettent en légendaire, une fois ils le mettent en épique. Enfin, tu sais, ils alternent entre les deux raretés, quoi. Oh, crise de Krampus, là, ça va être intéressant de faire une glace aujourd'hui, du coup, au moins ça peut valider mon défi qui se trouve ici. D'ailleurs, faudrait que j'arrive à faire les bannières là. Toutes les petites bannières là. Un gazon glacial, tu peux faire en 100. Donc en vrai, si tu arrives à jouer bien, il faut que je fasse un gazon glacial, hein, pour avoir le petit héros sergent tank Gatling et pas Gongsling comme j'ai écrit dans mon titre. Mais bref, de toute façon, personne n'a fait personne n'a fait attention, pardon, j'ai bégayé encore. Kilo pistolet, ça peut être intéressant, ça, vu que j'ai fait ma compo pistolet. Mais ouais, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas, du coup, à mettre le petit like, le petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez des missions du jour, tout simplement. Ça peut être intéressant. Et puis sinon, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Discord, le plus intéressant, comme j'ai dit en début de vidéo. Bah, le serveur Discord, ce qui va être utile ce mois-ci pour les giveaways. Donc, si vous voulez participer, si vous voulez, par exemple, des piles, des efficaces. Des découpés comme les deux premiers gagnants par exemple qui m'ont demandé ça, bah n'hésitez pas, tu vois, tu me demandes. Après j'ai mis que 250 parce qu'en vrai si je donne trop, après j'évite plus rien, tu vois. Mais par exemple là si je fais du 250, j'ai un stack de 9 2000, bah je peux donner à 4 personnes, donc c'est pas mal. J'aurais peut-être même pu monter à 500, mais vu que je vais faire des stacks de pièges, bah par exemple vous voulez ça, merde j'en ai créé un, mais par exemple vous voulez ça. Regardez, ça coûte quand même cher, tu vois. En termes de. Ça coûte 600 par exemple en efficace et 200 en pile. Donc il faut que je garde un peu aussi de mon côté, tu vois. Donc voilà pourquoi j'ai mis que 250. Bref. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit, je pense, pour cette vidéo-là. Donc voilà. Et puis sinon, qu'est-ce que j'avais à dire? Ouais, c'est tout, hein. C'est tout, c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire d'ailleurs. Bon, bref, je vous laisse là-dessus. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!